vaut mieux être un vieillard au Moyen-Orient qu'en Europe, parce que les vieilles personnes restent intégrées dans la famille, ce qu'on a fait nous pendant des siècles et qu'on ne fait plus. Aujourd'hui, on construit des endroits pour se débarrasser des vieilles personnes. Ils sont plus utiles à la société, ils ne produisent plus. Allez, hop, on attend juste de s'en débarrasser. Chaque âge a des vertus qui sont utiles pour les autres âges. Quand on a eu la chance, enfant, d'avoir un grand-père qui me faisait aimer les animaux, qui me faisait découvrir les plantes, moi, je m'ennuyais comme un rat mort. Mais en fait, non, parce que je rêvais et je consacrais des heures à la rêverie. Vous dites vieillir, ce n'est pas se racornir, c'est grandir. Ben, c'est-à-dire qu'en plus, moi, j'ai vu dans ma propre vie des choses s'améliorer en vieillissant. D'abord, je suis plus tolérant en vieillissant qu'à 20 ans. Oui, j'avais des certitudes qui me rendaient intolérant. Aussi, je travaille beaucoup plus facilement et mieux. Je suis beaucoup plus productif. Je ne perds pas mon temps, je me connais. On s'essouffle un peu plus, mais intellectuellement, c'est beaucoup mieux.